Yo à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui les gars, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Eh, pas un petit peu particulière, déjà il y a deux choses qui vont changer sur la chaîne, il y a deux petites choses, mais c'est pas énorme. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo-là, et surtout à vous abonner, c'est très important. Allez, c'est parti, balance. Oh putain, ce panache de fumée, je l'ai jamais vu, je te jure. J'ai jamais vu en je ne sais combien de vapes. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, les amis, eh ben, on va se retrouver pour deux simples choses. Ces deux simples choses, je vais les prendre. Donc, ces deux simples choses, je vais vous dire pourquoi. On se retrouve pour un test de liquide. Ça change pas sur ma chaîne, mais on se retrouve sur quelque chose de plus magique. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qui est de plus magique, qui est plus marrant et qui est vraiment extraordinaire. Eh ben, vous voyez cette tête traditionnelle. On remarque rien. Écoutez bien le bruit. Attends, écoutez bien le bruit, mais vous allez me dire juste après ça ressemble à quoi. Donc je vais vous faire un petit bain de son et puis voilà. Vous avez jamais deviné, c'est quoi? Vous avez toujours pas trouvé? Moi, c'est marrant, moi, je sais. C'est la Zeus Mesh RTA, donc du gros constructible, les gars. On est sur un plateau qui est vraiment extraordinaire. Est-ce que je vous le montre ou pas? Bon, je vous montrerai plus tard, un peu plus tard dans les détails. Donc on est sur du pas du filaire mais de la plaquette. Enfin je dis de la plaquette, vous m'aurez compris, c'est en forme de criage. Donc je suis débute hein, dans le reconstructible. On est sur du coton que je retrouve le coton. Donc c'est du Kendo Vape Coton Gold Edition Premium Qualité et Cultivated and Gentle. Donc c'est du coton de Japon. Très très bon coton, ça je vous le garantis. Bah là je fume sur ce coton là. Je fume sur le Vape Kate, donc la petite vaporisogène comme d'habitude. 50 watts, je pourrais fumer en 52 mais j'évite de trop surdoser les choses et je quand même fumer en 52 voir ce que ça fait. On est sur une bonne quantité de saveur, assez chaude. Un bon nuage de vapeur de fumée. Et ça me dérange vraiment pas du tout parce que moi à la base je devais pas passer sur un reconstructible. Mais au final, et bien passer sur du reconstructible, c'est l'une des premières choses que je me suis dit pour l'année 2021. Et pour le coup, bah, je suis satisfait quoi. Enfin, j'ai pas d'autre mot à dire. C'est tout ce que j'attendais dans de la vape. Donc c'est pas prenant. C'est pas désagréable parce que je sais que certains liquides, bah, c'est désagréable à fumer. J'essaie toujours de faire des bulles, mais j'y arrive pas. On sent bien le cheesecake à la fin. On sent bien ce côté gourmand. Et c'est vraiment pas quelque chose de dérangeant. Alors, je vais vous expliquer pour la simple et honnête chose pourquoi je suis passé sur du reconstructible. Vous allez vous demander aussi pourquoi. Faut savoir que à la base, quand j'ai commencé la vape, j'étais sur un petit modèle. Voilà, petit modèle tranquille, pépouze, bien fait. Bon, j'ai commencé par du 80 watts jusqu'à passer à 100, à 200 et après ainsi de suite, c'est passé sur des gros matos assez importants. Ma caméra qui est tombée, j'ai fait un rototo de salace. Et du coup, en passant sur du reconstructible, je me suis dit ça pourrait faire quelque chose d'assez évolutif, donc dans la vape.
Et pour le coup, c'est assez évolutif. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas A plus B. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et pour le coup, moi, quand j'ai commencé à vaper sur ça, je me suis dit, putain, c'est quelque chose de compliqué, tu vois. Et en regardant la qualité du coton, je vais vous montrer ça en vidéo. Donc déjà, le packaging, il est high. Il est extraordinaire et regardez-moi ce coton de qualité. Il est magnifique, on peut le tâter facilement. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Et vraiment, c'est du bon coton de bonne qualité. Alors, à savoir que je remercie en tout cas Ashayor de m'avoir conseillé de passer sur du reconstructible parce que c'est vraiment conseillé par chez les vapeurs. Et vraiment, ouais, c'est vrai qu'au niveau de la fumée. On est vraiment sur de la qualité, quoi. Il n'y a pas A plus B, il y a vraiment de la bonne qualité. Et vraiment, je suis très content, voilà. Donc, c'était une petite annonce à vous annoncer. Vapcake réussi, test réussi, il n'y a pas à dire. Et puis voilà, en tout cas, je suis fier de vous annoncer ça. Des nouvelles vidéos vont arriver et une nouvelle intro a été rajoutée. Allez! Sur cette très bonne soirée à tous. Ciao.